Bonjour, du champ au terrain de rugby. Rencontre aujourd'hui avec Stéphane Lavigne. Il est président du Celtic Rugby Club de Gens, un club né il y a un peu plus d'un an, juste après la Coupe du Monde. Avec la Coupe du Monde, on s'est dit, tiens, pourquoi on ne créerait pas un club de rugby? On a commencé un peu à en parler à gauche, à droite. Et puis, de fil en aiguille, on s'est constitué un petit groupe et puis finalement, on a franchi le pas, on a créé une association. Dans le courant du mois de janvier l'année dernière, qu'on a déposé les statuts de l'association, le Celtic Rugby Club. Et les premiers entraînements ont démarré au mois de mars-avril 2008 à Nozay, sur le terrain de football annexe de Nozay. En termes d'effectifs, on a démarré, on était une petite dizaine l'année dernière. Et puis là, on va finir à 30-31 la saison en senior. Et en école de rugby, on est 16 gamins de 8 ans à 14 ans. On a notre Bastaro local. Viens, tu vas passer à la télé. Le quoi local ? Notre Bastaro local. Je vous présente Sergio. Sergio, notre Bastaro local. Pourquoi Bastaro ? Parce qu'en équipe de France, on a un nouveau venu. Hein, qui ressemble beaucoup à Sergio. Sergio, comme c'est un exemple parmi d'autres de personnes qui ne connaissaient pas du tout le rugby, qu'il avait effectivement entendu parler par le biais de la Coupe du Monde. C'est des gens qui viennent d'autres sports. Hein. Lui, il faisait du handball. Dès l'instant où ce sont des gens sportifs et qui ont envie de s'investir, ça peut aller très vite. Autrefois, il y a que le football et le basket. Maintenant, il y a du rugby. Il y a plus de choix. Et puis, bon, c'est pour ça que le club, en réalité, n'est pas que local, mais régional. Et c'est bien, ça fait un peu plus connaître en plus notre commune. Et on pense assez sportif depuis très longtemps. Parce que rien que le foot, je joue déjà à un bon niveau depuis pas mal d'années. Maintenant, c'est le rugby qui arrive. Bon, ils sont débutants, c'est vrai, mais ils ont au moins le mérite d'y aller. Et puis, c'est intéressant de les voir jouer. Lorsque l'équipe de rugby joue, il n'y a pas de foot et inversement, quoi. Oh, les mecs, vous leur avez foutu à mon nez quasiment 50 mètres rien qu'avec le pack. Ok ? Donc là, vous jouez plus ensemble, vous n'êtes plus ensemble le pack. Ok ? Vous travaillez chacun dans votre coin, ça veut rien dire. Résultat des courses, derrière, ça passe à tous les coups. Donc, ils n'ont pas trouvé de terrain à leur disposition sur le secteur et l'agence en a accepté de les accueillir. Donc, pourquoi pas, c'est très bien. Et cette saison, le Celtic Rugby Club se défend comme il peut en quatrième série du championnat territorial.